J'appelle Hermano Fegatili. On le connaît, hein. Ah, lui aussi, regarde mon papier, hein. Ils sont tous comme ça. Qu'est-ce qu'il va raconter, hein? Mais j'ai pas mal d'infos sur Hermano. Et des coïncidences, d'ailleurs, pas troublantes, mais des coïncidences que j'ai apprises il y a deux jours. Mais enfin, je vais y venir. Hermano est né à Ougré en 1984. Famille originaire de Celano. Ah ouais, c'est juste. Si bien qu'il soit célibataire, mais j'ai pas fini. Célibataire parce que pas marié, mais il n'est pas un cœur à prendre. Car sa compagne, nouvellement diplômée infirmière, dentiste, pardon, ma faute, paramédicale, est présente avec un appareil photo et nous sommes très heureux d'ailleurs de l'avoir parmi nous. Et je disais, très fier de sa compagne, qui, soit dit en passant, vient de décrocher son diplôme de dentiste. À l'issue de ses études primaires, les instituteurs proposent aux parents d'Hermano de l'inscrire dans l'enseignement professionnel. La famille ne tient pas compte de ses conseils et décide d'inscrire leur fils après les primaires à l'Athénée Royal de l'Air Pur. Réussissant ses secondaires avec des résultats extraordinaires, Hermano décide alors de s'inscrire à l'Université de Liège, où il obtient un master en sciences économiques pour ensuite compléter ses connaissances à l'Université de Cambridge. Il est occupé au CHU en qualité de consultant en gestion de projets hospitaliers. Il parle pas moins de 5 langues. Quoi?